Parlons de la PlayStation 5 et de la future Xbox. Mais la personne qui a inventé ça, c'est un big boss. Moi, je vais pas y arriver. Je fais comme ça. Coucou tout le monde, c'est Chloé. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo informative. Coucou. Ouais, comme ça, tu te mets. Coucou tout le monde, vas-y. Mais moi, je vais pas faire ça. Coucou tout le monde. C'est Chloé. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo informative de la future PlayStation et de la future Xbox. Non? Je vais partir. Hein. Tu pars? Moi, je fais pas ça. Moi, je vais vous laisser, hein, avec lui. Parce que c'est lui le pro, pas moi. Ouais, ok. Bon, bah, si tu veux, tu vas où alors? Tu vas aller en cours? A plus. Ah, t'as oublié ton petit sac à main. Très important, le petit sac à main. Ciao. Merde, les écouteurs. Les écouteurs. Ouais, c'est les tiens. Ouais, merde, c'est mon téléphone aussi. Et ton téléphone aussi. Tu peux. Bisous. Bisous. Bon, bah, c'est dommage, j'aurais bien aimé faire la vidéo avec elle, mais c'est un peu trop compliqué. Ouais. C'est mon téléphone. Désolé. Comment t'avais mon téléphone? Je sais pas. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la future PlayStation, la PlayStation 5, ainsi que le projet Scorpio proposé par Microsoft, c'est-à-dire la future Xbox. Nintendo a vraiment explosé ces derniers temps avec sa Switch. Et maintenant, on s'attend à de grosses nouveautés du côté de Microsoft avec la Xbox, je ne sais combien, en tout cas pour l'instant c'est juste un projet, mais il sera annoncé à l'E3 2017. Plus exactement, c'est le 11 juin à Los Angeles, et c'est là où souvent il va y avoir de grosses conférences, que ce soit avec Sony, Microsoft, et qui vont proposer et qui vont annoncer même eh bien leur futur gros produit, et cette fameuse Xbox devrait sortir en fin d'année. Je parle bien entendu de la Xbox One, et qu'il y aura aussi des démos en 4K 60 images par seconde comme FIFA 18 ou même Red Dead Redemption 2 sur cette future Xbox. Par contre, le souci c'est que cette console apparemment elle va être très très chère, et que là ça sera vraiment pour les gens qui ont l'argent et qui jouent beaucoup avec leur fameuse Xbox, parce que les prix, ils l'ont annoncé un petit peu Microsoft, que ça va faire très mal aux fesses. Mais normalement ça devrait être annoncé en tout cas à l'E3 2017. C'est cool de parler de la Xbox One, mais alors PlayStation, ils en sont où? Sony a sorti leur fameuse PlayStation 4 Pro qui a eu un énorme succès. Il y a deux grosses rumeurs qui courent en ce moment. La première grosse rumeur, ça va être que la prochaine PlayStation sera la PlayStation 5. La première possibilité, c'est qu'elle va sortir en fait l'année prochaine. Et la deuxième possibilité, d'après les rumeurs, c'est qu'elle sortira après 2020. Moi, je suis un peu plus tenté pour l'année prochaine. Même le président de Sony Worldwide Studio a tout simplement aussi annoncé peut-être la présence de la 8K. C'est-à-dire que tu pourras même jouer en 4K, voire en 8K. Par contre, il faut avoir la télévision qui suit avec. Et ça, ça va pas être donné aussi. Sony est en train de parler de la PlayStation VR ainsi que l'Oculus Rift et du HTC Vive, où par contre là, il y aura de grandes améliorations et tu pourras vraiment jouer en réalité virtuelle en étant vraiment vraiment dans le jeu avec une meilleure qualité. Et ça, ça peut être sympa. En fait, la question qu'on se pose, c'est déjà quand est-ce que ça va sortir. Et la deuxième grosse question que je me pose, c'est le prix. En ce moment là, ça a l'air d'être assez chaud patate pour que le prix soit très très élevé du côté de Microsoft et du côté de Sony. Dites-moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. Ça me fait assez peur en termes de prix, mais on aura plus d'informations d'ici le 11 juin 2017 à l'E3, au grand salon. Là, on aura beaucoup plus d'informations. Merci encore à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Un énorme merci de votre soutien, puis continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer. Thank you.